Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo gadget pour vous présenter des petits ustensiles qui sont nécessaires pour votre nettoyage en profondeur. Alors on commence par un drap en plastique qui va vous permettre tout simplement de nettoyer les siphons de vos lavabos, de votre douche, de vos éviers. Il suffit tout simplement de rentrer cette tige en plastique qui est recouverte de picots dans donc, vos siphons. Et ça va vraiment permettre de retirer et d'accrocher toutes les saletés. Tout simplement pour déboucher, pourquoi pas, mais aussi en prévention pour éviter que ça ne se bouche. Ensuite, je vais vous présenter une petite brosse qui va permettre pour moi de récurer tous les coins. C'est une brosse donc ronde qui a des poils qui sont, on va dire, semi-rigides et qui va vraiment permettre d'enlever en fait toutes les miettes qui peuvent se déposer dans les rainures, dans les fonds de vos gobelets. Donc là, c'est mon gobelet à brosse à dents et c'est vrai que souvent j'ai du mal en fait vraiment à nettoyer les recoins. Avec les brosses à dents, ça passe pas et du coup, cette brosse ronde va vraiment permettre d'enlever toutes les saletés des recoins, etc. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, de l'autre côté, il y a des tiges plates. Et en fait, ces tiges vont permettre aussi de nettoyer tout ce qui est aération. Parce que normalement, c'est une brosse qui est dédiée aux aérations, aux ventilations, en fait, pour la voiture. Ou ça peut servir également pour le chauffage, etc. Mais vraiment, vous l'utilisez comme vous voulez. Donc, c'est une brosse 2 ans et demi. Je l'utilise également donc pour les joints de mon réfrigérateur, puisque des fois ben, on a des petites miettes voilà, qui se posent, donc sans forcément passer un chiffon. Voilà, je pose ma petite brosse et ça enlève toutes les petites miettes qui s'y seraient déposées. Ensuite, je vous présente ma brosse favorite et qui est ma brosse pour les encadrements de fenêtres. Donc celle-ci est très pratique pour tout ce qui est baies vitrées, fenêtres, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est ultra plate et elle va vraiment bien passer dans les rails. De l'autre côté de cette brosse, vous avez un embout qui est plat et qui va vraiment permettre de décoller et d'enlever en fait toutes les poussières et les saletés incrustées. Donc il suffit tout simplement de frotter voilà, dans le recoin, là où la brosse ne peut pas accéder. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien décollé, vous n'avez plus qu'à brosser pour l'enlever. Donc j'adore cette brosse et vous pouvez l'utiliser également pour plein d'autres choses. Donc là, je vous montre par exemple un exemple de baie vitrée. Mais vous pouvez très bien l'utiliser donc pour d'autres utilisations qui vous seraient nécessaires. Là, je vous montre également donc pour les fenêtres. Donc là, en fait, je nettoie les plaines. Voilà, j'enlève la poussière sur le dessus des plaines parce que du coup, comme elle est très plate, ça passe très bien. Mais voilà, vraiment, elle est super cette brosse. Enfin, je voulais vous présenter une brosse coudée qui est utile pour nettoyer le recoin des toilettes. Ce recoin qui est souvent très inaccessible et où on ne voit pas forcément, mais c'est souvent l'endroit qui est le plus sale parce que tout remonte à l'intérieur, tout se dépose à l'intérieur et les bactéries y sont souvent présentes. Donc cette brosse coudée va vraiment vous permettre de brosser et Voilà, d'éviter en j'espère que fait cette d'avoir vidéo vous des a plu. toilettes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé mes petits gadgets, astuces et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.